Bonjour, bienvenue dans l'épisode numéro 68 et dans la suite de l'exploration du temple du feu. On progresse. J'ai eu un peu de mal à un moment donné, et puis j'ai fini par me débloquer avec une astuce grâce au bloc. Pas de mur fissuré. J'avais dit que je devais économiser mes bombes, mais j'ai oublié. Quand j'aurai la baguette de feu, il faudra revisiter tout le donjon pour ouvrir toutes les portes. Enfin, allumer toutes les torches à distance. Donc il nous restait à descendre là. Ouille. Ah, je suis ramené à l'entrée. Allez, j'explose tout le monde. Ensuite, j'ai envie d'aller par là, il y a un coffre. Là, s'il me fait toucher, je sors de la salle et je dois tout recommencer. C'est bon, une petite clé. Fabuleux. D'accord, je reviens ici. Ah, pas ça. Donc après, où est-ce que je peux utiliser ma clé? Ah oui, près du mini-boss là-bas. Donc pour y retourner... Je vais revenir à l'entrée. Je suis à quel étage là? Je suis au moins 2. Déjà, il faudrait que je remonte d'un étage. Et ensuite par là. J'ai comme un gros doute. Si, par là ça devrait marcher. Non, par là. J'ai plus qu'un cœur, évidemment. J'ai plus qu'un cœur et je me prépare à affronter un mini-boss. Mais il me reste une potion rouge. Oula, je pense que j'ai peut-être pas pris le chemin le plus rapide. J'aurais peut-être mieux fait d'arriver par l'autre côté. Bref, peu importe. Des cœurs. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce truc? D'accord, donc il y a un œil. Ça y est, je suis mort. On va essayer de passer par là cette fois-ci. Par là, ça va être encore plus long si je suis obligé de refaire le coup du bloc. Bah ouais, puisque j'ai pas ouvert cette porte. Donc finalement, mieux vaut passer par le labyrinthe. Ah, je me suis trompé en plus. Ah! C'est horrible.
toute façon, les énigmes de bloc, c'est démoniaque. Et je me suis... Non, c'est bon, je me suis pas encore trompé. C'est long, mais c'est pas aussi long que de faire du café. Ah, j'arrive pas en plus. Et voilà. La prochaine fois, si je meurs encore. Mince. Je passerai par le labyrinthe. Parce qu'en plus là... Ah si, c'est bon, j'y suis. Ok. Alors... L'épée, ça marche pas. L'arc. Pour l'instant, j'ai tiré dans les boules de feu. Donc je sais pas. L'arc, ça marche. Cool. Vas-y, reste bloqué dans le coin, là, c'est super. 42 flèches restantes. Aïe. Bon, ça va, il est pas si dur, en fait. C'est surtout les boules de feu qui sont pénibles. La baguette de feu! C'est la fête! Yes! Alors ça, ça va me coûter de l'énergie magique, à mon avis. Plus que la lanterne. Ok, donc maintenant j'ai gagné le droit de revisiter toutes les salles de ce temple pour allumer toutes les torches qui restaient à allumer. Et il y en avait un bon paquet. Encore plus que dans le temple de la force où il fallait allumer les torches avec la lanterne. Donc là, je suis arrivé à l'entrée sans vraiment le vouloir. Je pense que c'est plutôt à l'étage du dessous qu'il fallait allumer des torches. Notamment ici. Continuer. Ici, on peut pas passer. Par contre, on peut faire le tour par là. Normalement. Oh, c'est pas dit. On va bien voir. Je me souviens plus. C'est bon, j'ai fait le tour que je voulais faire. Il y en a encore une au milieu là que j'ai pas eu peut-être. Ah, puis il y avait ça. Ah, je suis revenu là. D'accord, donc il me faudra d'abord une clé avant de revenir ici au moins un. Et... Dans ce cas, je vais passer par là, ça sera plus rapide. Aïe. Ouais, il m'en manque une au milieu là, il me faudra une clé pour pouvoir l'allumer. Alors ensuite... Ensuite, allons voir de l'autre côté.
deux petites flèches et on est tranquille. S'il fallait passer par ici. Ah non, je suis en train de revenir à l'entrée là. Oh là là. Ah, je suis encore dans la salle du bloc. C'est génial. Ah oui, mais maintenant... Oui, bah d'accord, maintenant on peut passer plus facilement. Donc si on passe par là... Théoriquement... Parce qu'en plus je suis un peu perdu entre le rez-de-chaussée et le moins 1, je confonds. J'arrive plus à descendre au moins un là. De ce côté-ci. Par contre, j'arrive à mourir, ça, y a pas de problème. Cœur ici, je me souvenais plus. Bon, alors là, je suis très mal parti pour descendre. En fait, il fallait que je descende tout en bas à droite. Ici. Ah voilà. Ok. Donc faut passer comme ça. Je suis pas très concentré aujourd'hui. Oh. Oh. Quel nul. Je vais descendre par là. Normalement, ça reviendra au même. Donc là-haut, j'ai déjà allumé ce que je pouvais. Si je vais par là, ça marche pas. Donc je vais aller par là. Là, c'est la salle. Voilà, c'est ça. Donc je vais aller par là et par là. Ça marche pas du tout. Faut passer par le moins 2. Ça, c'est l'explication. Et là, il n'y avait rien à faire. Pas de torche à allumer dans ce coin-là. Je vais quand même aller vérifier. De toute façon, c'est par là qu'il faut que j'aille, j'ai l'impression. C'est sûrement pas là qu'il faut que j'aille. Attendez, attendez. Ouais, c'est juste que je suis pas passé par le bon chemin. J'ai beaucoup de mal à m'orienter dans ce temple. Ouais, par ici, ça m'a l'air pas mal.
Alors, une petite salle avec des torches à allumer. Peut-être que ça pourrait me mener à la petite clé qui me manque. Ah, l'autre faut l'allumer par là. Donc là, il va m'en manquer une, même deux. Alors celle-ci, je peux. Ok, je l'ai entendu s'allumer, donc c'est bon. Après, il faudrait revenir par la gauche. Et ça, à mon avis, ça implique de passer par là. Voilà, c'est là que j'essayais de venir depuis au moins 10 minutes, je sais plus. Alors, on va allumer celle-ci. Qu'est-ce qui nous manque d'autre? Celle-ci, celle-ci. Et par là, parce que c'est bien là qu'on veut aller. Je crois pas. Ah si. Donc je pense que dans cette salle, j'ai tout allumé sauf celle qui nécessite une clé. Et pour allumer celle de la clé, et ben j'ai tout simplement dû rater un passage. Je vais redescendre au moins deux. Ah. Je peux pas aller là-haut. Comment je vais là déjà? Ah oui, il faut que je fasse un grand tour. Ça me revient. Excusez-moi. Faut que je passe par l'autre côté. Je passe par là. Ah. Et là-haut, il y avait plus rien d'intéressant là-haut. Il y avait une clé. Voilà, c'est ici exactement que je voulais venir pour pouvoir faire ça. Hop. J'ai rien entendu. Normalement, ça a dû ouvrir la porte qui est là-haut. Bon, peut-être qu'il me manque encore des torches. On va aller voir ça tout de suite. Pas tout de suite. Chaque fois, je me fais avoir. Ce donjon, il est terrible. Pour moi, en tout cas, il est terrible. Ah. J'ai quitté le mode plein écran sans le vouloir. Ah, ça fait du bien. Une telle énergie magique. Mais ça remplit même pas entièrement. C'est des radins, les monstres. Alors, donc c'est dans cette pièce que tout se joue. Normalement, j'ai tout allumé. Ah non, il me restait celle-ci. Ah, j'ai oublié. Non, j'ai pas oublié, mais je pensais l'avoir allumé, mais j'avais dû la rater. Voilà, là c'est bon. J'étais pas bien aligné. Alors. Une petite clé, et ben voilà.
Donc, dans le prochain épisode, nous irons ouvrir la dernière porte verrouillée. Je me souviens où elle est. Elle est au moins 1, vers la gauche de la très grande salle. Ce qui devrait nous permettre d'atteindre la clé du boss. Donc le boss. Et ensuite, ça sera génial. Salut à tous!